Cette superbe bûche de Noël a été faite dans une bouteille d'eau. Le moule bouteille, c'est l'idée la plus simple et la moins chère pour un dessert de Noël. Bonjour, je suis Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Pour faire le moule bouteille, je prends deux bouteilles d'eau minérale. Dans la première bouteille, je découpe en dessous de l'entonnoir du goulot. Je conserve ce tube avec fond. Avec la seconde bouteille, je découpe au niveau du culot. Je conserve uniquement le fond et je me débarrasse du reste. Je crée une ouverture dans la hauteur de la première bouteille, assez large pour la garnir et intégrer un insert. Je m'arrête avant le fond et je retire cette bande de plastique. Je vais maintenant réunir les deux parties pour faire mon moule bouteille. J'insère le fond découpé dans la première bouteille. Ça s'enclenche tout seul en la glissant à l'intérieur. Je scelle avec du scotch et j'obtiens ainsi mon moule à bûche. Je prépare une ganache en faisant fondre du chocolat avec de la crème. Une fois le mélange fondu, j'intègre de la crème froide et je laisse reposer. Je monte cette ganache à l'aide d'un batteur électrique. Je la mets dans une poche à douille et je garnis mon moule bouteille. Je tasse bien. J'intègre mon insert. Ici, c'est de la passion et de la chantilly. Et je recouvre entièrement de ganache. Je laisse prendre une nuit au congélateur. Il ne me reste plus qu'à démouler ma bûche. De couler un glaçage au chocolat par-dessus. Je décore avec des éléments en chocolat blanc. Un petit peu de passion. Et voilà, c'est ma recette incroyable de la bûche bouteille. Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite.